Bonjour, c'est Vincent de Review. Donc aujourd'hui une toute petite preview du nouvel Asus UX31A. Ah. Donc c'est le nouveau ZenBook Prime. Comme vous pouvez le voir, la machine arbore toujours le même design que les premiers ZenBook. Donc toujours le même châssis, toujours fin, toujours beau, toujours en deux coloris. Donc de l'alu pour le bas, toujours de l'alu pour le haut, mais dans une teinte un peu plus foncée. Point de vue connectique, on a deux ports USB 3.0, un de part et d'autre, une prise mini HDMI, une prise mini VGA, un connecteur jack et un lecteur de carte. Donc une des nouveautés de cette machine à l'intérieur, c'est processeur Sandy Bridge. Donc les tout nouveaux Sandy Bridge annoncés par Intel, en Core i5 et Core i7. Donc dans notre machine, un Core i7 3517U à 1,9 GHz capable de monter à 2,4 GHz avec son mode turbo. Donc à l'arrière du PC, rien de bien transcendant, hein, des petites ouvertures pour l'agression et 4 pads pour empêcher que le PC glisse. Donc ici le clavier rétroéclairé, donc une nouveauté par rapport au premier ZenBook. On notera que les touches ont vraiment été revues, elles ne sont pas juste rétroéclairées, elles sont beaucoup plus souples que sur le premier modèle. Idem pour le trackpad qui nous a semblé également plus précis et plus agréable à utiliser que sur le premier. Donc grosse nouveauté là encore, c'est l'écran. On a une dalle mat, toujours de 13,3 pouces, mais cette fois mat et en Full HD, donc du 1080p. Donc c'est ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce petit PC qui est super bien fini et qu'on a hâte de voir au labo pour les tests. Ah oui, une dernière chose, on a pu lancer un petit PC Mark 07 et nous avons eu un score de 39 043 points. Donc on en verra un peu plus pour le test. À bientôt sur Review.